Et plop les gens, ici Zikino, et on va continuer Bat Boy sur la chaîne des jeux du cygne. Il nous reste pas beaucoup de choses à trouver pour le 100%, mais j'ai quand même dû le faire dans un épisode différent du précédent, parce que il me semble que ça peut être quand même loin dans les niveaux à chaque fois. J'y vais comme un gros bourrin. Je crois que j'ai vu passer un moustique, et c'est rassurant. Oh punaise. En arrière, comment j'avais passé cette chose? Okay. Ça fait 3 fois d'affilée où j'oublie de sauter. Ça le fait pas. Voilà. Comme ça nous évitera d'utiliser. Cochon a inventé le tapis roulant. Oh non. J'ai utilisé la première potion d'esprit. Donc c'est bien ça, hein, ça nous empêche de mourir automatiquement. Et on va de suite recommander des boissons. Non,
On va passer par en haut. Je sais pas ce qu'il y a en bas, mais. C'est que je l'avais fait. Alors, oui. C'est ici. Et on a tout ce qu'il faut en ce niveau. Allez, où est le suivant? Le suivant, non, on l'a fait. Et je crois que c'est lui. Les yeux ou pas qu'un peu. Donc, le niveau d'avance était mon plus détesté. Là il est pas beaucoup plus aimé. Oh, merci. Reperdu une... oui, on aurait pu aller là. Rediriger la balle de tennis là-haut pour Là, il y avait un petit animal. Cet endroit m'avait bien embêté. Vraiment, je me suis mieux débrouillé qu'avant. Masse de thunes. Oh. Ok, oui, continuez à... surfer sur le bout du canon. Alors ce n'est toujours pas ici. Ici on a du recul.
C'est cette pièce-là. Ah oui, on voit que la... On voit. Il est possible de voir... Oh, punaise. Que ici, il y avait du... Le truc abîmé. On a donc fait ce niveau. On passe au suivant. Le 10. Ah oui, alors celui-ci, j'ai regardé la soluce. Je ne sais pas où c'est. Genre. La soluce, elle est trop... Cet endroit-là, tu vas là. Et c'est un couloir ascendant, comme il y en a plein dans ce niveau, de mémoire, en tout cas. J'étais pas sûr d'avoir trouvé ça. Pas sûr d'avoir trouvé ça la fois d'avant, déjà. Juste un petit sous-mural, ça suffit. D'ailleurs, on a plus vie. C'est pas si grave. Ah oui. Voilà, hein, on arrête de s'embêter. Pose ici. Ben, je crois que c'est ici. Donne-moi tout cet argent. C'était les bateaux. Il nous reste juste la tour nord et là j'ai un énorme trou de mémoire, je sais plus où c'est. Je
Bon, je sais pas où c'est exactement, mais c'est un endroit qui est à peu près reconnaissable. Et même si je le reconnais pas exactement, enfin, je confonds. Pas poser trop de problèmes. Ah zut! Alors, il va peut-être falloir que je refasse les niveaux sérieusement. D'ailleurs, en parlant de faire les niveaux sérieusement, maintenant on a des boissons. Alors, autant les utiliser. C'est beaucoup plus simple, hein, vous remarquez. Et le deuxième boss, bah, on va le faire pareil. Si, il y a besoin d'aller jusqu'au deuxième boss. Il y a besoin d'aller au moins jusqu'au deuxième boss. Il me semble que je cache derrière cette porte. Ah oui, c'est eux. Des dégâts à la potion de bombe. Hein. Ne bouderai pas mon plaisir en disant qu'elle est bien pratique. Je l'admets volontiers. Même un smoothie à la crème. Plus que tranquille, parce que ici, il timing d'électricité. Oh non, dans ce jeu dit ça sert à rien. J'avais oublié qu'il y avait 3 du match. Parce que lui, je l'avais réussi du premier coup, je crois. Ou du deuxième coup, je sais plus. En tout cas, j'ai utilisé toutes mes potions. Pas celle de... Pas celle d'âme, encore heureux, mais... Et c'est ici. Se casse. H. La cassette. Donc là, si je quitte le jeu, normalement, 91%. Pourquoi ? Là, on a tout, là, on a tout. D'ailleurs, on n'est jamais allé le voir une fois qu'on avait tout, lui. Bienvenue ! Allez. Salut, bad boy et garou. C'est Rufus, l'explorateur. Il fait bon retrouver sa boutique après tous ces voyages. Je dois encore avoir un peu de graines dorées si ça t'intéresse.
Je vois pas l'intérêt de changer une rouge en dorée ou une dorée en rouge, mais... Est-ce qu'il faut leur acheter tout leur stock? Est-ce que ça fait partie du 100% acheter tout le stock? C'est bizarre. La boutique. La boutique, c'est vrai qu'on n'a pas. Ah, c'est vert et doré, oui, j'ai vu. Masse de thunes pour acheter des choses. Si vraiment le seul truc qui manque c'est acheter des... Ouais, ça m'a monté à 92. Je crois que j'étais à 91. Et du coup il reste 3, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 graines à acheter et 8% du jeu. Ça sent le... Il faut acheter toutes les graines. Sauf que... Bon... Non, je m'en fous en fait. Non, j'ai dit je m'en fous. Sauf que acheter toutes les graines, si je savais que ça faisait partie du 100%, je les aurais achetées plus tôt, moi. Au lieu de rester à 999 pendant tout ce temps. Et je sais pas forcément comment gagner de l'argent rapidement. Oui. On va refaire le niveau 1. Je vais pas acheter autant de potions aussi. Pour fermer les sous. Je vous l'accorde. Peut-être même celui où il y a Captain Ace, le meilleur. Ou alors celui de... Alors on monte quand même, mais... On va voir à combien on en est là. Et 200 pour le moment, je peux m'acheter genre juste une graine rouge.
une graine rouge, ça compte pas beaucoup. Trois graines rouges, les graines dorées, elles 300, pas 200. Réussir à écraser le vôtre, bien sûr que non. J'ai la vidéo de Solus sous les yeux. Comment on est censé arriver ici? Ah ouais. Tout simplement. Je vous montre. Alors, sans le grappin à la fin, mais. Comme ça, apparemment, on peut le faire direct. C'est un peu dur. La méthode est beaucoup plus simple. Donc là, on est à 270. Sachant qu'on a commencé à une soixantaine, 70 peut-être. Et d'ailleurs, on apprend le lancer de bâton après le boss. Dans tous les cas, il faut refaire le niveau. Parce que je sais que juste avant le boss, il y avait un mur cassable que je n'ai pas cassé. Comme ça, j'aurai le cœur net de savoir qu'est-ce qu'il fait. Et je suis sûr que j'avais pas vu celui-ci non plus. Allez hop.
On gagne. Pas non plus. Offre ici, donc peut-être des sous. Effectivement, des sous. Si je balance du mauvais côté, on va pas y arriver, c'est sûr. Le fait que je peux lancer 200 en même temps. Normalement, lentement. Du boss, ce n'est pas là, d'accord. Et par ici, mais quand c'est la vraie entrée du boss, c'est pas là. C'est pas juste un endroit qui tremble là. Parfait.
peu trop tard. On a tout, on avance. C'est vrai. Rams. Ah oui, je crois que j'ai vu un speedrunner, ça devait être Cheshamax. Il y a que lui que je regarde. Speedrunner Bad Boy. Vite fait, en tout cas, je regarde. J'ai réussi le niveau d'avant. Sans avoir besoin de... Sans avoir besoin de balancer sa batte en tourbillon. Ici. Là, ça devait être la fraise dorée. De mana endurance pour remonter. Voilà, c'est ici passage avant le boss. C'était bien un coffre rempli. Bon, on a atteint 600, je pense que presque atteint 600 exactement. Seul boss où la phase 2 est plus simple que j'ai l'impression. Et avec tout ça, d'acheter, je sais plus à quoi quel prix. Non, c'était 200, d'accord. Donc les 4, 6 et 6, 12, ça fait qu'il faut 1200 pour les deux premiers shops. Et 3, 6, 9, 900 en plus. 1200 plus 900, ça fait 2100, comme ça. Au total, pour acheter toutes les graines, qui est, on va dire, exagéré. Exagéré par rapport à ce qu'on a là maintenant.
En tout cas, je vais pas vous montrer ça en vidéo. J'arrête l'épisode ici. Et on regarde qu'on a bien avancé les pourcentages. Oui, on est bien à 95%. Il me reste la première fraise rouge, les deux fraises vertes et deux fraises jaunes. Ça fait bien 5 fraises qui est égal à 5%. Donc, je finirai peut-être moi-même le 100%. Je sais pas. En tout cas, pas en vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu de participer à ce presque 100%. Ensemble, et je vous dis à bientôt. Bye bye.